La cour de la maison des jeunes de Paubert devenue petite pour contenir le public. Des représentants des cinq communes du plateau à Paubert pour suivre un exposé du PAG, le programme d'action du gouvernement pour les quinquennats 2016-2021. Un condensé du document a été distribué aux personnalités présentes. Pour une meilleure compréhension et une adhésion des populations du Bénin en général et celles du département du Plateau en particulier, le gouvernement a décidé de vulgariser le dit programme afin de transformer nos inquiétudes en véritable espoir d'un lendemain meilleur à travers une bonne gestion de nos ressources naturelles. Même si le Bénin dispose de peu de ressources minières, le pays peut bien compter sur ses enfants pour son développement. Il faut révéler nos potentialités inexploitées pour un développement durable de notre pays. Et c'est justement cela, le but visé par le programme Bénin révélé. Un programme reposant sur trois piliers, la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, l'engagement de la transformation structurelle de l'économie et enfin l'amélioration des conditions de vie des populations. Bref, une vision qui a besoin de soutien. Le soutien commence d'abord par la croyance en soi-même. Ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en notre gouvernement. Ayant confiance à notre président de la République. Si nous partons de cette confiance, nous allons comprendre qu'il s'agit d'abord de construire et d'observer le moment où les constructions vont s'installer pour commencer maintenant par jouir des fruits de nos constructions. Dans le plateau où l'on caresse le rêve d'une aube nouvelle pour la région durant ce quinquennat du président Talon, l'adhésion des populations à la concrétisation du PAG n'est plus à négocier, estime-t-on.